Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo pour vous faire un petit tuto sur créer un silo facilement et dedans vous pouvez vraiment tout mettre. Mais quand je dis tout, c'est tout mettre. De la paille hachée, de votre maïs, votre blé, tout ce qui est votre culture, les pommes de terre, les betteraves, j'en oublie sûrement encore, votre paille, votre foin, votre herbe, mais vous mettez vraiment tout ce que vous voulez. Alors, c'est un mode, normalement il est ici, si je ne me trompe pas, il doit être dans décoration. Voilà, c'est le modular concrete wall. Alors vous avez du 5 mètres, du 10 mètres, du 20 mètres pour faire le silo de fin. Alors on va déjà prendre le 20 mètres. Nous allons créer notre silo. J'en fais un petit, c'est juste pour vous montrer. Là, généralement, c'est assez facile pour s'aligner. Voilà, là on est aligné. Après, je vais prendre un 10 mètres. Pareil que je vais mettre ici. Et vous voyez, vous pouvez passer par-dessus sans problème. Après, je reprends un 20 mètres. Après, vous prenez ce que vous voulez exactement. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Vous prenez pour la quantité que vous avez besoin. Et voilà votre silo créé. Bon, vous pouvez le faire plus large, moins large. Et là, on va vider la paille hachée que j'ai préparée avant. La barre de coupe, je ne pense pas qu'elle va passer. D'habitude, je fais plus large que ça, comme ça je me retourne direct. Vous mettez pour décharger ici. Là, vous voyez, vous emplissez votre silo. Mais vous pouvez vraiment tout mettre dedans. Que vous voulez, tout ce que vous voulez, il n'y a pas autant que ce soit de l'herbe, tout ce que vous gardez ou que vous n'ayez pas de place, ou
des choses qui peuvent arriver. Et voilà, comment créer un silo facilement, en espérant que ce petit tuto vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner et puis de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait bien plaisir. Allez, ciao, ciao, bonne journée, salut, salut!